La traçabilité, c'est quelque chose d'important qui, dans notre pays, est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire dans d'autres pays, ce qui fait d'ailleurs le problème des accords internationaux comme le CETA ou le Mercosur, puisqu'en fait, les agriculteurs de ces pays ne sont pas soumis aux mêmes normes que les agriculteurs français, et les industries de transformation ne sont pas non plus, elles aussi, obligées d'indiquer un certain nombre de choses. Donc il est très important sur la traçabilité qu'on puisse savoir où a été élevé l'animal, où a été récolté le blé ou n'importe quelle céréale, et qu'on puisse effectivement leur garantir aux consommateurs en fin de chaîne et aux consommateurs intermédiaires comme les restaurateurs que les produits qu'ils utilisent sont des produits issus d'une agriculture avec des garanties sanitaires qui ne sont pas forcément le cas, notamment pour le Mercosur, puisque on sait bien que les Brésiliens ont le droit aux OGM, qu'ils ont le droit aux hormones de croissance pour les animaux, et on n'a aucune réalité sur la on a aucune réalité sur la façon dont ces agriculteurs vont élever leurs animaux, et aucune garantie sur l'aspect sanitaire. Donc c'est un point très important. Il faut bien penser que l'alimentation est une arme aujourd'hui internationale, et que ce sont les multinationales qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps avec l'accord de nos politiques. Donc pour le bien-être du consommateur, pour la régularité de la consommation et que le consommateur soit informé dans tous les domaines, eh ben, il faut que cette traçabilité soit la meilleure possible. Et puis nous, maîtres restaurateurs, on privilégie aussi la consommation locale, et c'est pour ça que nos relations avec nos producteurs, on n'existerait pas si on n'avait pas nos producteurs, et c'est ces producteurs qui font vivre les régions au niveau économique, et que nous obligeons, nous, moralement, à acheter chez nos producteurs pour pouvoir les maintenir en vie.